On rêve d'explorer l'inconnu et de repousser les frontières encore plus loin. C'est toute l'initiative qui est en danger. Les mondes en or n'ont rien donné. Un total échec. Nous manquons de bras pour trouver d'autres ressources. Et malheureusement, nous ne pouvons pas réveiller les autres. Plus que jamais, nous avons besoin d'un pionnier. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind. Thinking I can see through this, see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. On peut pas vivre ici. Je suis là pour ça, pour explorer l'inconnu. Qui c'est cela? Des visiteurs comme nous. Ah, faites la montée dans la navette. Bien joué, gamin. Vous faites maintenant partie de la première vague d'Arja atteindre Andromède, la nouvelle galaxie de l'humanité. Et bonsoir, bonsoir, bonsoir. On se retrouve en ce jeudi soir pour un nouveau jeu, un nouveau ancien jeu, Mass Effect Andromeda. Donc après avoir fini Mass Effect Legendary Edition la semaine dernière, du coup, on va commencer, donc ce n'est pas vraiment la suite vu que ça se passe beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Et surtout dans une autre galaxie, donc ça n'a pas grand rapport avec l'histoire qu'on a faite ces derniers mois. Mais ça reste dans l'univers de Mass Effect et dans la veine. En ce qui concerne la VOD, je pense que le passage juste avant sera coupé, vu la musique qu'il y a, je pense que ce sera DMCA. Hein. Donc il y a grande chance qu'il n'y aura pas de son avant. On verra bien quand je vais envoyer ça. En tous les cas, on va aller directement sur le jeu, sur l'accueil du jeu, et commencer à créer son personnage. Hop. Alors, micro, son du jeu, c'est good, c'est parti. Démarrage rapide. Ou créer un personnage personnalisé. Je peux choisir la classe si je fais... Peut-être pas une bonne idée ce que je fais là. Je pense que je vais redémarrer. Je vais au moins choisir la classe quand même. Et je crois qu'on peut plus sniper. Je sais plus, il y avait un truc qui me manquait dans ce jeu au niveau du style combat que j'avais employé sur les anciens. Je vais redémarrer le jeu pour pouvoir personnaliser la classe au moins. Au démarrage rapide, on peut choisir que le niveau. Alors, créer un nouveau personnage. Donc la caméra est à droite, faut que je retienne ça, si jamais ça cache des trucs. J'imagine qu'il doit charger les textures du personnage, c'est ça, ouais. Alors je vais pas le personnaliser dans les... dans les formes. Je sais même pas ce qu'il... Ah oh, oui d'accord, ok. Hop, par défaut toujours... La formation, là, c'est ce que je voulais choisir. Donc il m'a mis par défaut, c'est sécurité. Pendant votre service militaire au sein de l'Alliance, vous avez tâché d'apprendre tout ce que vous pouviez sur les armes et les tactiques. Capacité de départ, le tir percussif, bon, comme les anciens... turbocharge, enfin bonus considérable, mais bref, cadence de tir. Et bref, à la cadence de tir des armes et efficacité des cartouches thermiques. Confère une meilleure durabilité
et la possibilité de durabilité. Ok. Biotique, j'ai jamais joué biotique. Bon, il n'y a pas de sniper, je crois. Enfin, de porte-étendard. J'ai peut-être joué à Jelan. Voilà, camouflage. Ça me sort souvent de situations compliquées. Du coup, agent, c'est au sein d'Alliance, vous avez étudié les opérations secrètes et les techniques de forces spéciales. Des connaissances qui ne vous ont guère servi avant de faire partie de l'initiative Andromède. Camouflage tactique, vous utilisez une technologie de déviation lumineuse pour vous rendre temporairement invisible. Vous pouvez bénéficier d'un gros bonus de dégâts quand vous sortez de votre camouflage pour attaquer. Ok. Le nom. Bah, je garde sur l'autre par défaut toujours. Hein. Je vais pas personnaliser ma sœur. Apparence par défaut. L'histoire. Shepard était un homme. Importé, non. Voyons si tu veux. Confirmer. Ok. Alors, je vais jouer comme. Enfin. Le 1, 2, 3, j'ai joué en... Je me rappelle plus, le niveau le plus élevé. Démentiel. Alors, je vais faire le même niveau sur Andromeda, mais d'après ce que je me rappelle, il est plus difficile. Donc, j'ai peut-être changé en cours de route, mais j'ai tenté le niveau plus difficile aussi. Vous commencez le jeu? Oui. J'ai changé en cours de route de toute façon. À l'origine de chaque grand moment de notre histoire, il y a un rêve. Au départ de chaque bond en avant, des héros, prêts à tout pour réussir. Nous laissons tous, derrière nous, des familles, des foyers, le berceau de notre espèce. Certains, pour découvrir l'inconnu. D'autres, pour prendre un nouveau départ. Mais aujourd'hui, quelles que soient nos raisons, nous nous élançons ensemble vers un avenir nouveau pour l'humanité. Aujourd'hui, nous commençons à faire de notre rêve une réalité. En l'an 2185, l'humanité connaît l'âge d'or du voyage interstellaire. La découverte des runes extraterrestres sur Mars a propulsé nos connaissances scientifiques et technologiques de plusieurs milliers d'années en avant. Alors que beaucoup sont fascinés par la perspective d'explorer la Voie lactée, de découvrir ses secrets, d'autres aspirent à des destinations plus lointaines. Pour la centaine de milliers d'aventuriers de ce voyage sans retour, l'avenir commence dans... Mass Effect Andromeda. ...134 ans plus tard, jour 0, heure 0. Arche Hyperion, population 20 000 colons humains. La galaxie d'Andromède, Habitat 7, secteur Eleus.
On a réussi. Respirez. Il va falloir y aller doucement. Ça fait 600 ans que j'y vais doucement, alors bon. Ryder Scott, explorateur. Équipe de mission du pionnier. L'équipe du pionnier? Ceux qui nous cherchent un foyer. Sous les tropiques, vous croyez que c'est possible? Une mer chaude, l'été toute l'année? On pourrait commencer par lui offrir un café, non? Lors de sa sélection, l'initiative Andromède a évalué des milliers de planètes potentiellement habitables dans la galaxie. Scott Ryder, voyons si tout va bien. Regardez. Après la découverte d'un nombre étonnamment élevé de candidats, appelés Monde en Or, le secteur Eleus a été sélectionné comme destination. Vous faites maintenant partie de la première vague d'Arche à atteindre Andromède, la nouvelle galaxie de l'humanité. Ah oui, si seulement c'était si simple. Ah. Choix de ton... Les choix de ton aident à définir la personnalité de Ryder. Ok... Ah oui, d'accord, l'étoile apparaît au centre. Émotionnel, logique, décontracté, professionnel. Y a plus le système de pragmatisme, conciliation? Ok. Je verrai ça dans les stats tout à l'heure. Professionnel, hein. Même si ça ne l'est pas, on sera prêt. Je l'espère. Vous savez quelque chose? Le pionnier a annoncé qu'il vous veut tous prêts pour la mission dans l'heure. Regardez par là. Une urgence? Je ne sais pas, mais ça paraît sérieux. Bon, tout a l'air en ordre. Une dernière chose avant que je vous laisse partir. On va tester votre implant. Sam, tu assures le suivi? Sam, tu es en ligne? Oui, docteur Tepero. Bonjour, Ryder. J'espère que vous allez bien. J'ai besoin d'une minute pour prendre mes marques. Quel est le problème avec mon implant? Aucun. C'est une vérification de routine. On s'assure que la connexion fonctionne après la stase. En tant qu'ordinateur de mission de l'équipe, votre bien-être est ma priorité. Si les implants marchent comme prévu, Sam voit ce que vous voyez, en théorie. On ne pourra le vérifier que quand vous serez sur le terrain. À part ça, comment allez-vous? J'ai l'impression d'être un cornet de glace vieux de 600 ans. J'espère qu'on a plein de café. Résultat confirmé. Compte tenu des niveaux d'adénosine dans votre sang, l'implant neuronal fonctionne correctement. Adéno quoi? Ça veut dire que vous émergez de votre sieste. Aucune raison de vous retenir plus longtemps. Mais vous voudrez peut-être rester pendant qu'on réveille votre sœur? C'est toujours plus facile quand on voit un visage. Ça ne me dit rien qui vaille. Qu'est-ce qui se passe? Le module de stase. Accrochez-vous. Salle des machines, au rapport. Reprenez-vous à quelque chose. On n'a plus de pesanteur dans la zone de cryo. Ah, attention à la seringue. J'y suis presque. Tenez bon. Ici Cora, à la zone de cryo. Je rétablis la gravité. Tout le monde va bien? Oui, je crois. Qu'est-ce que c'était? On ne sait pas, les capteurs sont brouillés. Mais ça fait plaisir de vous revoir. J'ai l'impression que ça fait des siècles. Ici le pionnier. Équipe de mission, continue à vous préparer. Cora, des riders, rendez-vous sur la passerelle. Vous l'avez entendu, allons. On a un problème par ici. C'est Sarah Ryder. Il y a un problème? Je ne sais pas. Il faut que je regarde. Waouh. J'ai pas pensé à ça. Menu. Oui, le menu dans le jeu. Niveau 1, ok, logique. Limite 4. Il y a une limite d'objets maintenant. Crédit. Compétences, profil, partie. Ok, il faut cliquer sur partie. Paramètres.
commande. Sensible à la souris, tu vas calmer ça tout de suite. Ça pris en compte là? C'est mieux. Ok, il y a pas mal de choses, donc je peux pas sauvegarder quel journal, bon ça, ça change pas. Des icônes spécifiques, j'imagine, pour dire opération prioritaire. Ok, je peux naviguer de façon différente dans les menus, j'imagine. Ah oui, d'accord, bon, ça laisse imaginer le nombre de missions qu'on pourra avoir. Les petites icônes, j'imagine que je suis en suivi. Le codex, comme on connaît. On n'a pas le temps de tout lire, de toute façon. Les compétences. La vache. Ah, j'avais oublié tellement qu'il était complet celui-là. Quand j'aurai des points, je vais m'amuser à. Ah, en fait, ça. Ouais, non, ok, ça indiquait uniquement le truc de base, mais ça changeait pas grand-chose. Ça changeait pas grand-chose au final, je peux faire ce que je veux. Ok. Ok. Bon, on va partir là-dessus de toute façon. Ok, prologue, Hyperion, allez, à la passerelle, allez voir vos sœurs. Bah quand même... Attendez une seconde, le procès... Okay. Scott. Ma sœur va bien? Sarah va bien. Ses signes vitaux sont bons. Mais le processus de réveil a été interrompu. Quand est-ce qu'elle pourra se réveiller? Mieux vaut ne pas se précipiter. Sam? Ma connexion à l'implant de Sarah a été interrompue. Son pouls, sa respiration et son activité cérébrale sont cependant normaux. Pour limiter les risques, on va la garder pendant un moment en coma artificiel et laisser son corps reprendre conscience naturellement. Elle va s'en tirer. Ça me rassure. Merci, Lexi. Tenez-nous au courant. Évidemment, on va pas être deux dès le début, hein, ce sera trop facile. On y va quand vous voulez. Toujours en stase. Ces signes vitaux ont l'air bons. La stase aurait pu être interrompue. Ah oui. Certaines parties de son corps pourraient se réveiller. Et d'autres. Ça a l'air génial, non? Enfin, jusqu'à ce que la pesanteur vous lâche. Bonjour, je suis Jen Carson, fondatrice de l'initiative Andromède. Je vous souhaite la bienvenue dans cette toute nouvelle galaxie. La bonne nouvelle, le plus dur est derrière nous. Nous sommes arrivés. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Vous vous trouvez à bord de l'Arche Hyperion qui transporte les humains. L'Arche Parcero, vaisseau des Galariens, a commencé son voyage en 2185. Il en va de même pour l'Arche Lusignia et l'Arche Natonos, vaisseaux respectifs des Asari et des Turiens, partis cette même année. L'Arche Hyperion est arrivée dans le secteur Eleus. La mise à jour des objectifs est actuellement impossible en raison de problèmes techniques. Votre rôle d'explorateur est d'assister dans l'exploration, la cartographie et l'analyse scientifique des mondes en or visant à valider ces sites. Vous devez dès maintenant vous présenter à la passerelle de commandement. Dans le cadre de sa sélection, l'initiative Andromède a évalué des milliers de planètes potentiellement habitables dans la galaxie. Après la découverte d'un nombre étonnamment élevé de candidats, appelé Monde en Or, le secteur Eleus a été sélectionné comme destination. Vous faites maintenant partie de la première vague d'Arche à atteindre Andromède, la nouvelle galaxie de l'humanité. Une évaluation minutieuse par l'équipe du pionnier permettra de confirmer que l'Habitat 7 est le meilleur candidat à la colonisation. Un pionnier a pour mission d'explorer et d'évaluer les nouveaux mondes pour y établir des avant-postes et des colonies. Chaque arche est dirigée par un pionnier servant de porte-parole pour son espèce. Le pionnier actuellement en service sur l'Arche Hyperion est Alec Ryder. Le tableau de service indique que vous êtes affecté à l'équipe du pionnier, explorateur Ryder. L'initiative Andromède englobe tout ce qui a trait à la colonisation, dont les arches, les pionniers, les avant-postes et le Nexus au centre. La position actuelle du Nexus est inconnue. L'état des avant-postes est... inconnu. Je suis Jill Carson, fondatrice de l'initiative. J'aimerais que nous prenions un moment pour réfléchir aux principes qui nous ont rassemblés ici. Tout a commencé par une vision d'un avenir meilleur, une vision que vous modelez. La vie dans Andromède peut répondre aux rêves de chacun, et je suis fière de participer à leur réalisation. N'hésitez pas à me laisser un message. J'adorerais savoir où nous en sommes.
Ok. Bon, petite présentation de l'objectif de la mission Andromède. Toujours en sommeil. Doucement. Inspirez profondément. Lui, il commence debout. Est-ce que je flottais ? On a eu un petit... Okay. Heureusement qu'il n'y avait personne là-dedans. Équipe technique, ici la zone de cryo. Un module a été endommagé lors de la rupture de pesanteur. Ok, bon. J'imagine que c'est pas le seul endroit où il y a des gens cryogénisés, hein, parce que bon, si on a vu, il y en a 20 000 normalement. Ok. Datapad. Fisher. Bonjour Ryder. Bonsoir. Ou on sait rien. Bah c'est pas dans l'espace qu'on sait que bah y a pas de jour en fait de nuit. Ok. Pareil. J'imagine que je dois aller là-bas. Non. Ok. Vous êtes prêts? Oui. Tu permets, je fouille. Hein. Ah! Ok, bon, il y a un système de. Halt pour regarder. Il y a quelque chose qui est. Ryder pourra la détecter, il a un scanner. Vite, Ryder, on doit trouver cette défaillance. Je me charge. On est passé en mode. Je vais essayer d'obtenir des relevés du deuxième conduit. Je vais essayer de lancer un diagnostic. Oh, j'avais oublié ça. Le relais 2C présente des signes de dégâts causés par une forte hausse de température. J'ai trouvé le relais fautif! Ryder, pouvez-vous charger de la réinitialisation? Ok. Sur la touche grenade. Voilà! C'est réinitialisé! Je redirige le courant. Ça marche! Ah. Ouais, c'est pas plus mal. Bien joué, Ryder. On peut aller au tram, maintenant. Les informations sur les objectifs sont indiquées dans le suivi de mission. En haut à droite de l'écran, oui, ça, oui. Ok. C'était moins une. À peine dans Andromède, et c'est déjà le cas. C'est parti pour l'aventure. Pas sûr. Que votre père voit ça du même œil. Okay. Allez-y, conduisez-nous à la passe. Le vaisseau est tellement grand qu'il y a besoin d'un tram. Navigation, au rapport. On dérive. Les commandes ne répondent plus. Commencez par réparer les pannes avant tout. Le générateur principal est mort, on est sur les réserves, capitaine. Elles ne vont pas durer. Quelle est notre position? Les systèmes télémétriques ont lâché. Sam, montre-nous ce qui se passe. Tentative d'ajustement des capteurs. S'il vous plaît, Alec, vous êtes peut-être le pionnier, mais c'est mon vaisseau. Le protocole est clair, capitaine. En l'absence de communication avec le Nexus ou les autres arches, nous continuons vers notre monde en or. La terre ferme. En espérant qu'elle existe. Personne n'avait prévu qu'on percuterait un nuage d'énergie, si c'est effectivement de ça qu'il s'agit. Alec, je dois évaluer les dégâts et contenir l'hémorragie. On a 20 000 personnes en hibernation sur ce vaisseau. Laissons-leur une chance de se réveiller. Elle a raison. C'est le capitaine de ce vaisseau. Le dernier mot lui appartient. Mais il pourrait... Il ne s'agit pas d'avoir le dernier mot. Oui, chef. On envoie le bout! Mon Dieu. C'est ça, notre monde en or.
c'est l'habitat 7, la nouvelle Terre, avec un peu de chance. Tous nos scans à longue portée indiquaient qu'il était dans la zone verte. Parfait pour une communauté humaine. On dirait une autre planète. Elle a raison, ça a l'air assez risqué vu d'ici. Les scans sont fiables ? C'est une bonne question. Beaucoup de choses ont pu changer en 600 ans. Sam ? L'énergie du phénomène perturbe nos capteurs. Impossible d'analyser les conditions planétaires. On est coincé. 20 000 âmes à la dérive dans l'espace. Et quand nos réserves d'énergie seront épuisées, il faut qu'on sache si ce monde est viable. Et dans le cas contraire ? J'aurai la responsabilité de trouver une autre solution. Les pionniers sont formés pour ça. Mais si tout va bien, on est déjà chez nous. D'accord, mais faites vite. Harper, le reste de l'équipe devrait être debout. Qu'il prépare deux navettes. Atterrissage dans 30 minutes. Compris. Une vraie tête de mule, hein ? Vous en savez autant que moi. C'est peut-être mon père, mais j'ai toujours eu du mal à le cerner. J'espère qu'il sait ce qu'il fait. Ce n'est pas comme si on pouvait appeler la cavalerie à notre secours. Où en sont les réparations des capteurs ? On avance à l'aveugle, là. Ma sœur va être dégoûtée d'avoir raté ça. Tous les riders sont accros à l'adrénaline ? Il faut croire que c'est dans nos gènes. Elle est venue au monde une minute avant moi. Elle n'en pouvait plus d'attendre. Ne vous en faites pas, Sarah va s'en sortir. Oui. Et elle voudra un récit détaillé. Alors, on n'a plus qu'à aller l'écrire. Bon, vous devriez mettre votre casque. Et peut-être faire un arrêt à la pierre porte-bonheur avant d'y aller. La quoi ? Une vieille manie de votre père. Ok. Bon, normalement, on est bien équipé, j'imagine. C'est bon. Ça devrait suffire. Le pionnier a exigé des armes de poids. L'accès à l'armurerie a été ouvert. On risque d'avoir des ennuis, Sam ? Non, simple précaution. Veuillez vous équiper, Ryder. Salut, Ryder. Kirkland, c'est ça ? Oui, je crois qu'on s'est rencontrés juste avant que l'Hyperion quitte la Terre. Je ne sais pas si vous connaissez Greer. Salut. Votre père vous a dit quelque chose concernant la situation actuelle ? Difficile à dire. Les capteurs n'arrivent pas à prendre de relevés de la planète. Au moins, les choses promettent d'être intéressantes. Oui. Ce serait dommage de s'être entraîné aussi dur pour au final ne rien en faire. On se voit dans la navette. Non, en soi, ils peuvent espérer que les pionniers servent à rien, parce que ça veut dire qu'ils ont trouvé la planète dès le début. Mais bon, le jeu se finirait très rapidement si c'était le cas. Bah alors, on pourrit l'ambiance. Pardon. Ah, j'ai coupé la musique, d'accord, j'appuie partout, je sais même pas ce que je faisais. Elle est censée porter chance, cette pierre ? Votre père faisait de l'escalade sur Terre. Cette pierre l'a empêché de tomber. Vu la situation actuelle, on aura besoin de toute la chance qu'on peut trouver. C'est sûr. Ok. Mieux vaut s'abstenir. On n'aura pas le temps pour une pause pipi. Oui. Je crois que j'ai fait le tour, là. Ah. Je peux appuyer sur l'espace aussi. Casier de Sarah ? Accroche-toi, Sarah. On dirait que papa est déjà prêt. Ok, j'ouvre le casier de tout le monde comme si rien n'était. Bon, du coup, j'imagine que je dois choisir une arme de poing. Bon, non, c'est un pistolet, du coup. Voilà, choix. J'espère ne pas en avoir besoin. On ne sait jamais. Bien, allons en navette. Pas sauvegarder pour l'instant ? J'aimerais pas planter, hein. Encore une de ces journées où on s'ennuie au boulot, hein ? What ?
C'est le voyage le plus complexe jamais tenté. Forcément, certaines choses tournent mal. C'est un bon test pour voir de quoi on est capable. Je me suis toujours demandé ce que ressentaient les explorateurs en traversant les mers, seulement guidés par les étoiles et la navigation à vue. Et une carte qui disait « Hic sunt Dracones ». Eh bien, s'ils ont réussi, on va le faire nous aussi. Et on verra peut-être un dragon en passant. Je préférerais prendre mon déjeuner plutôt qu'être le déjeuner. Un vrai explorateur se doit d'avoir des cicatrices, ou des traces de morsures. C'est pas tout, mais il est temps de monter dans la navette. Navette, départ prévu dans 5 minutes. Ok, on y va, on y va.